Ben, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais je pense que ce qui est le plus intéressant dans cette bataille, on en est maintenant à 7400 signatures. C'est quand même énorme. C'est une bataille autogérée par les gens qui prennent les pétitions, qui font des photocopies, qui vont faire signer les gens par-ci, par-là. C'est comme ça qu'on a monté très régulièrement et très vite jusqu'à ce chiffre. Notre objectif, c'est d'abord 8000, puis après, on va monter de plus en plus. Ce texte sur lequel les gens se sont organisés, c'est un texte quand même qui est très exigeant, puisqu'on condamne la politique actuelle industrielle qui sacrifie tout notre patrimoine et nos acquis, nos savoir-faire, etc. Et pourtant, il y a des tas de gens qui ont signé. Il y a la critique de l'argent. Dans les débats qu'on a eus dès les premiers temps, j'ai vu qu'il y avait deux copines ici qui avaient participé à notre première initiative à la fête des plantes de Courtenvaux. 3500 signatures en deux jours. Je vous assure qu'on a le cerveau fatigué. Mais je veux les remercier, Annick et Yvonne, je ne sais pas où elles sont, mais heureusement vous êtes venus parce qu'on aurait été débordés. Donc, nous, on a choisi de faire un appel qui soit un appel citoyen. Parce qu'on pense que, d'abord, on travaille avec des gens qui sont d'opinion différente. Et donc, si on voulait arriver à rassembler, il fallait que ce soit sur l'intérêt général. Et on avait un peu testé, parce qu'après la catastrophe de la fermeture de la liquidation judiciaire d'argent, dont personne ne croyait la réalité. Jusqu'au dernier moment, les salariés pensaient que non, ça n'allait pas se faire. Et quand c'est tombé, c'était un choc extraordinaire. Et nous, dans la population, parce qu'au début, on n'avait pas trop de contact avec les gars de l'usine, dans la population, les gens ne disaient rien. On sentait qu'ils étaient complètement traumatisés. On s'est dit, ça ne peut pas aller. Et d'ailleurs, on voit sur les photos à l'époque, de l'époque où il y a eu la lutte, il y avait beaucoup d'élus avec des écharpes blanc-rouge, pas très nombreux les gens derrière. Parce que, on aurait dit qu'ils avaient été, ils n'avaient pas digéré ce truc-là. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi? Nous, d'abord, parce que nous, on ne veut pas vivre dans le désert de Gobi, dans cette région de la Sarthe. Déjà, on a des villes qui sont quasiment mortes, où les commerces sont morts, les entreprises, on a perdu 5 usines dans les 3-4 dernières années. C'est-à-dire que ben, y a plus de boulot, les gens s'en vont, les maisons perdent de la valeur, et on s'est tous dit, c'est pas possible que ça continue comme ça. C'est pas tellement fréquent qu'on aille s'occuper des affaires d'une usine, hein, quand on est des habitants à côté, mais tout le monde a dit, il faut qu'on fasse quelque chose, et dès qu'on a fait signer, on a vu qu'on avait touché juste, parce que les gens se sont précipités. On a des élus, on a des gens de toute opinion. Ça va, je le dis, de la ville de l'Indre-et-Loire, qui s'appelle Ville-Dieu-le-Château, qui est tenue par l'extrême droite, jusqu'à toutes les villes du coin. Les gens, alors évidemment, il y a quelques manipulations politiques de temps en temps, c'était quelques tentations de s'émanciper de la pression de la population. Mais aujourd'hui, on a des commerçants, par exemple les 3 pharmacies du coin, elles ont réuni 600 signatures, je crois. On a un café qui a fait 200 signatures. Les gens, vraiment, c'est formidable ça. Voilà. Et alors, on est un peu embêtés parce que moi, je voudrais remercier Alexis Corbière au nom de notre groupe, hein, de nos signataires, parce que vous savez, les hommes politiques qui se sont manifestés jusqu'à présent, on dirait que les hommes politiques et les partis, ils sont un peu dévariés dès qu'il y a des citoyens qui font quelque chose. Et alors, on nous regarde comme si on était des bêtes curieuses, mais pour l'instant, on a quand même quelques gens qui nous ont fait des textes très émouvants, etc., qui sont des élus, qui sont complètement paniqués parce qu'ils se profilent. Hein. Mais en général, c'est quand même un peu difficile. Voilà. Donc, on est très contents d'avoir pu rencontrer Alexis Corbière parce que... on a l'impression d'être respecté d'abord, hein, c'est pas mal. Moi je dis toujours, hein, je dis ça à une responsable d'organisation syndicale, je dis mais moi ça fait 15 ans que je suis là, et quand est-ce que tu as vu 8000 personnes dans la rue au Mans? Moi j'ai jamais vu, j'ai vu 3000, 3500, 4000, mais 8000 personnes qui signent un texte
aussi forts que celui-là, qui s'organisent, qui font des trucs, ben, c'est pas tous les jours. Hein. Et bien, on dirait que c'est un peu difficile d'accepter ça. Voilà. Alors, on va faire une assemblée générale des signataires début juin, et puis on a tout un programme, et bon, on compte sur le groupe de la France Insoumise pour nous aider, mais on va essayer de faire deux quarts, peut-être trois quarts, pour monter à Paris, secouer un peu nos élus, nos députés. Hein. Parce que pour l'instant, il y a un projet de reprise, mais on ne connaît pas les garanties qui sont attachées. On a peur, et c'est normal, parce qu'on a eu des usines, nous on a eu la filature, elle avait 250 salariés, elle a fermé à baisser il y a quelques années, et ça s'est terminé à 19 personnes, juste avant la fermeture et le licenciement. Ça a tenu même pas deux ans. Donc nous, on ne peut pas se passer de la papeterie. On ne veut pas qu'elle ferme. Il faut qu'ils se débrouillent, et on fera tout pour se faire remarquer, et se battre, on va continuer à élargir le truc. Je vous remercie ceux qui ont commencé au Mans à faire signer la pétition. Tout le monde peut la faire signer, tout le monde peut se l'approprier en ne mettant pas de sigle dessus, puisqu'on tient à ce qu'elle reste citoyenne, en ne changeant pas le texte non plus. Mais je vous invite à la faire signer parce qu'il y a plein d'usines partout. Et moi, je pense que le temps est venu que nous, la population, les mères, les pères, les jeunes, eh ben, on protège nos usines. Voilà. Et donc, dans les débats qu'on a eus, l'argent. Il y a des gars, ils ont reçu la lettre de licenciement. Deux jours après, la cathédrale a brûlé. Et on a vu descendre les millions et les millions. Les gens étaient scandalisés. Hein. Les copines qui étaient là, elles peuvent le dire. Ils étaient scandalisés par ça. C'est d'ailleurs ce qu'a dit l'évêque du Mans. Il est venu avant-hier à l'usine. Et il a dit, le règne de l'argent qui écrase l'humain, c'est plus possible. Et c'est vrai que tout le monde partage ça. Deuxième thème, c'est qu'il faut défendre nos productions. Alors ça, on en est sidéré de voir qu'il y a tant de gens qui font ça. Troisième point qui a été beaucoup développé par les gens, c'est qu'il faut que la politique, ça change. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin parce que je connais un petit peu.